Les aviateurs, excellente soirée à tous. Place à la musique avec Claude Sauvestre. Et j'ai fait le rap trois fois au Coupe du Monde en 56, 59 et 60. J'ai repris l'harmonica il y a 2 ans environ et bah, on remonte sur les planches pour essayer de pouvoir permettre de tonifier un peu la relève. Votre point de vue sur un tel festival? C'est une réussite complète, je pense. Jusqu'à maintenant, loin, le public est là pour nous le prouver ce soir et je pense qu'il faut refaire. Malgré la chaleur, il faut refaire. Merci, merci. Et donc, on va vous laisser jouer. On se retrouvera tout à l'heure. Votre précision? Alors, pardon, d'autres morceaux que vous allez jouer? Alors, c'est un morceau qui a été écrit spécialement pour l'harmonica, qui a été écrit dans les années 55. Il s'agit du très célèbre « Touchez pas au Christ ». Très beau morceau, le Christ. Thank you.
Voici maintenant une autre composition pour harmonica qui a été écrite par Marcel Lézignan et Albert Reisner, le chef de Reisner, et qui est un morceau qui a été imposé au Coupe du Monde, qui s'appelle Zertas Intermezzo, et dont nous avons dans la salle ce soir un soliste qui a son espoir qui a obtenu la Coupe du Monde. Il s'agit de Pierre Buteau et à l'époque son pays. Voici donc la Zertas Intermezzo. Alors maintenant, je vais vous jouer un morceau qui va être réclamé par beaucoup de mes camarades harmonicistes.
que je viens de redémarrer sur les scènes avec un morceau qui est réputé assez difficile. Et c'est même en m'appliquant aussi de jouer sur scène, et je suis perfection, même si ça m'a fait plaisir. Je vais essayer de continuer à me mettre dans un applaudissement, mais pas me planter. Je vais vous jouer le Paul du Bourdon de Rimsky-Korsakov. Thank you.
bravo, on l'applaudit très fort. Et c'est bon.